Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première partie d'une vidéo qui comporte la forme de Tai Chi de style Wu qu'on enseigne ici à notre école à Saint-Eustache. Nous allons d'abord débuter par une forme de 40 mouvements. Et dans notre premier cours d'introduction, nous allons voir les quatre premiers mouvements de la forme. Et puis nous allons vous démontrer comment exécuter ces mouvements seuls à la maison. Donc, les principes de base sont simples. Tout d'abord, c'est important d'avoir les genoux toujours fléchis. Lorsque vous allez exécuter les mouvements, il faut que les mouvements soient faits d'une façon lente, fluide et continue. Okay? Donc, aussi, c'est important de garder votre niveau toujours à la même hauteur. Donc, votre centre de gravité devrait toujours être à la même hauteur. Donc, gardez vos genoux fléchis. Nous allons voir dans différentes postures que c'est possible aussi de descendre plus bas. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première partie. Alors, l'important, c'est de coller les deux jambes ensemble. Vous allez prendre deux ou trois bonnes respirations. Pour débuter, on va ouvrir la jambe gauche en gardant les genoux légèrement fléchis. On va garder les deux mains avec les paumes vers le sol. Nos épaules sont relaxes, détendues. On va laisser tomber les doigts vers le sol, les poignets détendus. On va monter les avant-bras jusqu'à la hauteur des épaules. Et rendu ici, on va légèrement fléchir les coudes, descendre les paumes vers le sol, bien ouvrir la position avec les mains vers le ciel. Grande ouverture vers l'extérieur avec les deux mains. Et on va aller prendre le pouls avec la main droite à l'intérieur de la main gauche. Donc, on voit ici que mon poignet est fléchi. Mes coudes sont pointés vers le bas et mes épaules sont relaxées.